je mets toujours des gants de sécurité. Toujours. Toujours et tous les jours. Faites comme moi. Moi, les gants de sécurité, c'est bien simple, je ne peux plus m'en passer. Quel que soit le travail. Bien sûr, ces gants n'ont pas toujours existé. Quand je pense à nos prédécesseurs et à mon pauvre grand-père... Mais, puisqu'ils existent, j'en mets. Pour tirer sur un câble, pour conduire une haveuse, pour poser un étançon, pour sonder ou pour purger, je mets des gants de sécurité. Les mains sont fragiles, ne l'oubliez pas. Mettez des gants de sécurité. Car, vous savez, la négligence... Bref, je mets, ils mettent, vous mettez des gants de sécurité. Des gants de sécurité. Moi, je ne suis pas fou. Je ne risque pas ma tête. Car je n'ai qu'une tête. Et j'y tiens. Lorsqu'il circule dans les wagons à personnel, je ne passe pas la tête par la portière. Pendant son travail, il veille au bon état des dispositifs avertisseurs de gabarit réduit. Je peins les obstacles. Je pose des lanières devant les portes. Je pose des trompes automatiques. Et quand il conduit une locomotive, accompagne un train ou simplement circule dans les galeries, il tient compte de ses dispositifs. En ne prenant pas de risques, travailleur avisé, père de famille heureux, il garde sa tête sur les épaules. Attention, vous n'êtes pas un acrobate. Vous n'avez pas encore de filet. Une ceinture de sécurité, ça peut être utile. Un stop-chute aussi. Et de toute façon, il faut travailler sur des échafaudages solides et stable. N'oubliez pas de fermer les trous dangereux. Comme les têtes de tuyaux. On n'est jamais trop prudent.